Monsieur l'envoyé spécial du président de la République, chef de l'État, monsieur le président de la commission de réception des bus Transco commandés par le gouvernement à faveur de Transco, le directeur de la ministre de son excellence, monsieur le ministre de Transco et de la Réunification, monsieur le DG de Transco, monsieur le partenaire, monsieur les membres du Conseil urbain de sécurité, distingués participants à vos titres de qualité, c'est encore une joie immense d'être pour la quatrième fois dans cette salle où il va être procédé à la réception administrative du dernier lot de bus commandé par le gouvernement en faveur de la société Transco. Au nom de la population de la ville de Goma et à mon propre et à celui des membres du Conseil de sécurité, nous souhaitons la bienvenue dans cette ville, première capitale de notre pays et berceau de l'administration publique de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la joie d'être témoins oculaires de la matérialisation de la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence. Félix-Antoine Tshisekedi, résumé en Népeuple d'abord, surtout dans le volet des transports. 440 bus à l'espace de 3 mois pour améliorer la qualité de transport en commun dans la capitale de notre pays. Au nom de la population de la ville de Goma, nous voulons demander aux représentants personnels du chef de l'État de dire que nous-mêmes, avec la population de la ville de Goma, nous sommes fiers de lui. Nous les soutenons et nous soutenons ses actions. Aujourd'hui, où il a plu à son Excellence, monsieur le chef de l'État, de mettre en place l'union sacrée pour la nation, permettez-nous de vous charger de lui dire que Goma, dans son intégrité, considère cette nouvelle gouvernance qu'il lance au sommet de l'État comme étant un salut, comme étant un chemin qui nous amène à changer notre vécu quotidien. Pour cela, qu'il sente que nous le soutenons et que toute la population le soutient. Aujourd'hui, c'est le volet de transport, mais d'autres domaines sont là. Il continue avec les efforts déjà enclenchés à faire de cette grande nation congolaise au cœur de l'Afrique soit fière de l'être. Oui, nous avons vu 440 bus défiler devant nous. Nous savons que notre tour, le tour de la ville de Goma et de la province du Congo central, viendra. Nous prenons notre mal en patience, mais nous avons la confiance que ça viendra également. C'est sur ce mot que nous voulons une fois de plus nous souhaiter un séjour, bien que bref, mais un séjour fructueux de travail chez nous. Je vous encore une fois, bienvenue chez nous. Les membres du gouvernement central et du gouvernement provincial, Madame le maire de la ville de Goma, Monsieur le directeur général AI de la société Transco, différents membres de service, Monsieur les partenaires de la SMT, à vos titres et qualités respectifs et chers compatriotes, au nom du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort dans sa politique de mettre le peuple au centre de ses actions, s'était engagé à résoudre le problème des transports en commun qui paralyse notre pays. Nous avons l'honneur de réceptionner ce dimanche 28 février 2021 les 110 bus restants sur la totalité des 440 nouveaux bus commandés.
Tout ceci entre dans la vision démontrée du président de la République, chef de l'État, je cite, le peuple d'abord. Nous exhortons le personnel de la Transco ainsi que la population de faire usage de ces bus avec un sens des responsabilités citoyennes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, forte, unie et prospère. Je vous remercie. Nous disons merci à l'envoyé spécial du chef de l'État. À présent, nous passons la parole au président de la commission pour son mot de clôture de la séance de travail. Bonjour à tous. Nous sommes contents et fiers d'être ici une fois encore à Boma. Nous tenons à remercier Son Excellence Monsieur le Ministre, Maître Didier Mazenga Mukanzu, qui nous a permis, n'est-ce pas, de présider cette commission pour la réception administrative des nouveaux bus Volvo pour les comptes de France. Ici, pour cette dernière fois que nous venons à Boma, dans le cadre qui concerne le bus, nous voulons prendre l'opportunité ici pour remercier Madame le maire de la réception convenante qu'elle ne cesse d'apporter et de nous accompagner à travers cette opération. Madame la maire, merci beaucoup de tout notre cœur. Nous comptons ici également remercier des gens qui nous supportent, mais quelquefois qu'on ne voit pas, les animateurs que j'appellerais des animateurs invisibles, mais qui sont derrière, n'est-ce pas, cette affaire. Ici, je dis merci à l'excellence, l'envoyé spécial du chef de l'État, qui ne cesse de nous accompagner d'une façon ou d'une autre pour la réussite, n'est-ce pas, de cette mission. Nous comptons également prendre le temps de remercier le DG, quelquefois pour un travail si difficile qu'il est en train de mener, mais à travers lui, tous les chauffeurs qui sont ici et qui nous amènent le bus sans incident jusqu'à là, à Kinshasa. Nous terminons. Je prends le temps également de remercier notre partenaire, SMT, Services Machinery Trucks, qui est en fait la clé même de la réussite de cette opération. Le planning, le timing a été suivi avec beaucoup de respect et nous leur devons un grand merci. C'est ici également l'opportunité pour nous de remercier les chefs de division, n'est-ce pas, qui nous accompagne. Il est invisible, mais il est là à tout moment qu'on est ici avec son équipe de commissaires maritimes de Boma. Mais également le directeur du port, qui est devenu un ami, un frère. Quand on est en train de venir ici, on l'informe, il est disposé et disponible pour nous accompagner. Merci beaucoup. À la commission que l'excellence, monsieur le ministre, a mise en place et pour laquelle on m'a donné la responsabilité de présider, mais de remercier tous les membres qui sont engagés à faire le déplacement de Kinshasa avec Boma à chaque fois qu'on les appelle. Merci beaucoup. Nous ne pouvons que remercier le gouvernement qui a pu mettre à la disposition de la population congolaise, celle de Kinshasa en particulier, un lot de 440 bus qui sont maintenant une réalité. Une réalité vivante, parce qu'en fait, le gouvernement, dans son action, c'est de traduire la vision du chef de l'État et d'activer ce plan-là pour que, en fait, cette vision devienne une réalité vivante au niveau de la population congolaise. Nous remercions donc le chef de l'État.
D'abord, je réponds au nom de M. Ndedi Mwanda David. Je suis directeur à la CVM en charge des relations publiques. En fait, j'étais très content. Nous avons essayé d'échanger autour de la drague Félix-Antoine Tshisekedi, une drague acquise grâce aux efforts du chef de l'État. Et aujourd'hui, la CVM est pimpante. Elle peut compter encore sur ce que l'autorité numéro 1 peut encore nous apporter comme surprise. Et donc, c'est vraiment une grande joie pour nous. J'ai partagé la joie avec son Excellence. Il est très content. D'ailleurs, il souhaite visiter l'unité en question parce que nous sommes en face de pouvoir voir comment nous pouvons lancer l'unité sur les biefs maritimes pour commencer les dragages. Vraiment excellent, excellent. J'étais là moi-même, je l'ai accueilli au port de Lonatra quand il est venu pour la première fois, et ça c'est la seconde fois. Et donc un travail très bien abattu, un discours promettant, et prometteur dirais-je, et un garçon à qui il faut compter dans les sphères du chef de l'État. Et donc je demande soutien à tout le monde pour que les choses aillent de l'avant. Nous sommes venus lui rendre visite pour présenter nos civilités, puisqu'il était ici sur place dans notre ville, dans le cadre donc, de la réception de bus de Transco. Et comme nous étions absents, nous sommes arrivés hier, c'était tout à fait normal qu'on vienne donc les saluer. Et aussi, nous avons profité de l'occasion pour l'inviter à visiter l'outil de production que nous avons dernièrement acquis avec l'implication et personnel du chef de l'État et l'appui du gouvernement.
4 ans que nous vivons ici. C'est là, c'est mon épouse. Donc ici, nous sommes dans la résidence officielle du fait président Savo. Ça, c'est une résidence privée. Okay. Pendant qu'il était chef de l'État, il avait demandé, il a fait une demande de terre et le service de cadastre lui a octroyé ça. Et il commença à construire. Ça s'est construit par lui-même. Ça, c'est une résidence privée, construite par lui-même. On a débuté le travail, je crois, autour de 63. En 1965, Kassavubu, coup d'État est arrivé et il est descendu à bord. Il va terminer cette maison de la construction en 1967. Alors vous allez me poser la question, mais pendant que la maison était en construction, il était où? Il a une autre maison ici, une résidence ici. C'est là où il a résidé avec tous ses enfants. Ici, ici. Non, avant de venir ici. Il est venu rentrer ici en 67. En 67. En 65, il a une résidence ici, à côté, parce qu'il habitait avec sa femme et ses enfants. Okay. Et d'ailleurs, Kassavubu est mort ici, dans sa résidence. Ce n'est pas dans une polyclinique, non. Ça, ce sont des arguments politiciens. Parce que Kassavubu est mort ici, je crois à 3h du matin, si je ne m'abuse pas. Pendant ces temps, il n'y avait aucune instruction. À 7h du matin, c'est là où on verra les autorités venir prendre le corps, amener dans une polyclinique ici, de Boma, appelée Poire-Rouge. Et c'est là où maintenant l'État s'est en charge de ses corps. Ils vont transporter le corps à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, il devrait être enterré à Kinshasa. Dans quel endroit précisément? Oui, c'est... Bon, selon, pas selon le dire, mais ce qui est vrai, là où on a mis, là où on a enterré Mosé, Laurent Désiré Kabila, c'est une cave qui a été prévue pour qu'on puisse enterrer Kassavubu. C'est par le maréchal Mobutu. Par le maréchal Mobutu. Mais il s'est avéré que Kassavubu, avant sa mort, il avait fait ses aveux. Il a demandé à ses enfants, au cas où la mort pourrait me trouver, je devais être enterré dans mon village. Okay. Et c'est là où il y a eu une intervention énergique de ses enfants. Et Mobutu s'est dit non, nous ne pouvons que se pencher à sa propre volonté. C'est sa fille Marie-Rose Kassavubu. Aujourd'hui, si nous parlons, si le Congo entier parle de Kassavubu, reconnaît Kassavubu, sincèrement, je vous le dis. Je crois que quiconque connaît Kinois et Kinoise le savent. C'est grâce à Marie-Rose Kassavubu. Cette fille, c'est sa fille aînée, qui s'est beaucoup dépensée pour la mémoire de son père. Vraiment. Vraiment. Ni était cette maman-là, Marie-Rose, on ne parlerait plus de Kassavubu dans ça. Sa présence est historique. Si je dis historique, dans un sens que nous vivons dans cette résidence il y a 24 ans. Jamais qu'on a déjà constaté un seul monsieur, autorité de l'État, pour rentrer ici, chercher à rentrer, à voir, à visiter la résidence Kassavubu. C'est ce qui fait que moi, je suis ravi de joie, parce qu'à son âge, il vient à Boma pour autre mission, mais en face de lui, il voit, oh, ça c'est la photo du président Kassavubu. Non, je dois du moins visiter ça. Alors c'est quelque chose du bien. C'est quelque chose du bien. C'est du jamais vu. Le président Félix Tshilombo, d'abord, il nous a surpris pour la visite de sa femme à Singine. Vraiment, c'est du jamais vu. Parce que même le président honoraire qui avait érigé ce mausolée n'a jamais mis pied là-bas. Moins d'ailleurs encore sa femme. Mais curieusement, la femme du chef de l'État actuel va quitter Kinshasa pour arriver à Singine. Vous voyez, donc la famille Kassavubu ne peut qu'être reconnaissante avec ce geste-là. Malgré que jusqu'ici, il n'a encore rien fait, mais le fait de prononcer dans sa propre bouche, dans un discours,
que j'élève le président Kassavou au rang de héros national, qui a largement mérité. Vraiment, nous avons compris que c'est un Congolais. Masamba,
Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Monsieur l'envoyé spécial de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame le maire de la ville de Boma, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kabondo, Monsieur les membres du Conseil urbain de sécurité, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers cadres et agents de la CVM, c'est avec un grand et un réel plaisir que nous vous accueillons parmi nous pour la cérémonie de débaptisation de la drague Manzanilo II, acquise par la Congolaise des voies maritimes avec l'implication personnelle de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et l'accompagnement du gouvernement congolais. Au nom du conseil d'administration et de celui de l'ensemble du personnel de la CVM, nous vous souhaitons la bienvenue au cœur de notre chantier naval et vous remercions de votre présence à cette cérémonie en dépit de vos multiples charges. Non loin de nous l'idée d'un discours, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour recapitaliser les entreprises du portefeuille de l'État afin qu'elles puissent jouer un rôle moteur dans l'économie du pays et contribuer efficacement au budget de l'État. Après des décennies d'attente, nous voici ces jours devant un équipement de dragage adapté aux réalités du bief maritime et qui constitue un début de solution durable au renforcement de notre capacité d'intervention pour l'amélioration des conditions de navigation dans les biefs maritimes du fleuve Congo. Cela vaut la peine de rappeler encore que c'est sous le leadership de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les entreprises publiques constatent que le gouvernement de la République est déterminé de relever les défis du renouvellement de leurs outils de travail devenus vétustes et obsolètes. Au nom de toute la communauté de la CVM, nous présentons nos remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République et à son gouvernement. Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, Monsieur l'envoyé spécial de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame le maire de la ville de Boma, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kabondo, Monsieur les membres du Conseil urbain de sécurité, distingués et invités, jadis appelé Manzanilo II, la drague battant pavillon congolais s'appellera autrement, car elle n'est pas en location, mais plutôt une propriété de la CVM. Il appartient à l'envoyé spécial du chef de l'État, agissant en son nom, de nous dévoiler dans quelques instants la nouvelle dénomination de ces dragues. Si cette drague nous réjouit du fait qu'elle entre immédiatement en service après cette cérémonie,
nous relevons le fait que la CVM se mettra aux côtés du gouvernement et des agents maritimes pour faire des montages financiers efficaces dans le but d'acquérir une deuxième drague neuve pour l'intérêt des opérateurs économiques publics et privés et œuvrant dans le secteur maritime, notamment la DGDA, l'OGFREM, SCTP, OCC, Transitaire, Agence maritime, etc. Monsieur le conseiller principal, représentant personnel du chef de l'État, président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, Monsieur les membres du Conseil urbain de sécurité, Madame le DG de la CVM, distingués invités en vos titres et qualités, 2 mars, journée pathétique pour la ville de Boma, comme nous l'avons été le 2 décembre, quand nous étions en train de réceptionner cet outil de travail qui manquait à la CVM. Et nous l'avons aujourd'hui, il va se mettre en service, mais auparavant, il y a une volonté politique, celle du chef de l'État, président de la République. Nous lui disons merci au nom de la population de la ville de Boma et des cadres et agents de la CVM. Il mérite nos salutations par les applaudissements. Excellence, monsieur le gouverneur de province, la territoriale est un service discipliné et hiérarchisé. Étant donné que vous êtes là, tout ce que vous allez dire engage le maire de Boma et toute la population de la ville de Boma. Voilà pourquoi, au nom du principe de l'unité de commandement et du respect de la voie hiérarchique, je vous invite à prendre la parole. Je vous en prie. Monsieur l'envoyé spécial du chef de l'État, et représentant personnel du président de la République à cette cérémonie, Madame le maire de la ville de Boma, Madame le DG de CVM, et c'est le membre du comité urbain de sécurité, distingués invités et tous les agents de CVM. L'heure n'est pas au discours, mais plutôt aux réalisations. Et là, nous sommes face à une grande réponse, à une réponse tant attendue aux nombreuses et multiples revendications, questions, attentes de la population de Boma, principalement des agents de la CVM. Voilà que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dans sa vision a placé le travail, le développement au cœur de son action, a écouté et a répondu favorablement aux attentes des agents de la CVM, aux attentes de la population de Boma. Parce que CVM fait vivre Boma. Ce n'est pas seulement les ports. Les ports, mais avant tout, CVM. Parce que si le bief maritime n'est pas en bon état de navigation, eh bien, les bateaux ne pourront jamais atteindre Boma. Cela veut simplement dire que le chef de l'État a vu juste pour que le biode arrive à Kinshasa, pour que la farine arrive à Ibengué, à Tshikapa. Il faut que ce bief maritime soit entretenu. Il faut que les navires qui quittent l'océan puissent atteindre Boma Matadi. Voilà le rôle
ô combien important que joue la CVM dans l'économie de notre pays. Il va falloir que tous les Congolais et toutes les Congolaises connaissent le rôle, l'importance de cette compagnie qu'on appelle CVM. Nous disons au nom de toute la population du Congo central et principalement à la population de Goma et au nom de tous les travailleurs de la CVM, nous ne cesserons de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ces gestes combien importants. Pour ces gestes combien importants qu'il a posés en accompagnant la CVM à acquérir cette drague. Ce n'est pas seulement pour le Congo central, mais c'est pour toute la République. C'est, je dis bien, pour toute la République. Que dire de plus, sinon assister tout à l'heure au dévoilement de la nouvelle dénomination de cette drague. La primeur revient à l'envoyé spécial du chef de l'État. C'est lui qui va dévoiler et nous allons découvrir ensemble comment allons-nous commencer à appeler cette nouvelle drague que la CVM a acquise. Merci à toute la population de Boma. Merci au comité de gestion de la CVM pour l'organisation de cette cérémonie. Merci, merci, merci à vous tous. Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville, province du Congo central. Distingués membres du gouvernement provincial, Madame le maire de la ville de Boma, Madame le directeur général de la CVM, Monsieur le directeur général adjoint de la CVM, Monsieur le commissaire maritime de la CVM, distingués membres des différents services ici présents, à vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes. Aujourd'hui, 2 février 2021, est un grand jour pour le peuple congolais en général et pour la Congolaise des voies maritimes en particulier. Jour après jour, les rêves des Congolais et des Congolaises deviennent réalité grâce à la vision du chef de l'État qui se démontre dans les différents domaines politiques et socio-économiques de la vie de notre population. En effet, 41 ans plus tard, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Congolaise des voies maritimes s'est dotée sur fonds propres d'une drague d'une capacité de 4000 mètres cubes fabriquée en France. Cet engin d'une très grande nécessité permettra d'augmenter considérablement les activités de la Congolaise des voies maritimes, notamment le balisage et l'entretien du bief maritime du fleuve Congo. Quoi de plus normal que cette drague ait été baptisée du nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quoi de plus normal que ces dragues aient été baptisées du nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ma qualité d'envoyé spécial, que je lance en ce jour les activités de la drague Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme toujours, nous exhortons les Congolaises et Congolaises à soutenir les actions de la vision du chef de l'État,
Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Population nyonso ya Boma Benoketi, ba salutation ya mingi na ya de la part ya chef de l'État. Beno Bakayo. Voilà, on va faire.